الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فرون إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui fait de nous sa l'opportunité pour nous joindre dans meilleure place dans la case Allah pour nous rappeler nous-mêmes de nos dînes. Et ne pas oublier, nous remercier aussi ban frère qui donne coup de main, ban frère de Masjid al-Rayhan, ce comité, ce ban Moussali, qui c'est pas la première fois qu'ils ont donné l'occasion pour préparer, pour faire programme ici. Alors, ça, les connus de ban frère de Masjid al-Rayhan, qui se dévoué pour sa dina, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense pour ses efforts. Alors, Inch'Allah, nos programmes, les commencent à partir maintenant et nos sujets centraux, c'est l'identité musulmane. L'identité musulmane. Après, Hassan l'avait dit tout de suite là, nous pouvons un petit peu nous faire un constat de la situation. Inch'Allah, nous prenons l'occasion, écoute encore mon frère qui est présent là, le Bandari encore qui est présent avec nous. Nous pouvons écouter aussi mon frère qui est présent, donne l'occasion, tout mon moussali aussi pour participer. Ensuite, après Namaz Maghrib, Inch'Allah, nous prenons un frère Abou Bakar Abakas qui vous cause l'eau, une anecdote. Toujours dans le même sens, pour montrer comment un musulman est fier de son identité. Ensuite, après Namaz et Isha, nous prenons une petite longue élaboration. Nous frère Bakas en pour élaborer le sujet-là, pour expliquer comment dire dans l'islam, les films préservés. Tout cela avec le sens, avec l'intention pour faire ça. Un musulman-là comprend qu'il y a un grand cadeau qu'Allah fait donner lui. Et ça fait lui attache plus avec ce dîme. Ensuite, moi-même, je propose toujours une caractéristique de sa dîme-là. Comment sa dîme-là est différent avec les autres idéologies. Avec l'intention que quand sa musulman-là, il comprend sa dîme-là dans sa vraie dimension, il n'est pas besoin de sentir qu'il est besoin de le prendre avec les autres, avec les autres idéologies. Il n'est pas besoin de suivre les autres dans une kitsa qui contredit ce dîme. Ensuite, nos frères, Zoubaïd Kamali, Inch'Allah, lui explique comment un musulman lui développe sa identité islamique. Qui est l'élément nécessaire vis-à-vis d'un djimoun? Dans quelle direction il travaille pour qu'il lui façonne sa identité islamique là, lui préserve sa identité islamique là. Ensuite, Inch'Allah, après Salat Fajr, nos frères Ashraf Dano, lui pour faire un résumé et lui pour donner nous encore un conseil dans le même sens. Alors, comment nous finissons l'identité islamique? Allah subhanahu wa ta'ala fin choisit nous en tant qu'Iban fin gangin à l'islam avec une facilité. Qui fait avec une facilité, nous fin prendre naissance même dans la case. Afrique, peut-être qu'à Paris, il y a aussi un frère qui partit dans une fin embrasse l'islam, mais en général, nous qui présents là, Allah ta'ala fin de nous sa grand cadeau qui appelle din à l'islam. Alhamdulillah, si nous présents dans Masjid, là c'est parce qu'ils nous ont encore tenir ferme à nous dire. Rappelle que parfois nous prenons un lien qui est simple. Parfois nous prenons un lien qui est simple et nous dans Masjid à ce là. Rappelle que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui fait une prédit à l'époque. Quand un djimoun lui pour lever le matin. Il pour lever le matin avec iman et lui pour aller dormir le soir sans iman. Dans le même hadith, continue, un djimoun, le soir, il a iman, et le matin, il est levé, il n'est plus iman. C'est-à-dire qu'il 24 heures ou 24, sa tentation-là, et sa hadith-là, quand nous guette, prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce ban wording, c'est qu'il, pas sur l'époque, ça. C'est ban l'époque, ban la fin des temps, après. Parce qu'imaginez longtemps, tchéna ne batia pas tchéna fitna, mais le soir, pas tchéna électricité, l'époque. Ban premier l'époque, pas de l'électricité, même pas déjà trop longtemps aussi, mais nous disons une cinquantaine d'années de cela. Du monde, tu peux dormir le soir. Mais quand nous comprenons que même le soir aussi, du monde, sur iman, pas en, comment nous disons, ça n'est pas safe de sur iman. Le soir aussi, sur iman, pas safe. Mais déjà, fitna là, les 24, le 24. Fitna là, les 24, le 24, et les vignes dans toutes directions. Sa tentation, sa piège de Iblis là, comment. Iblis dans le Coran, quand Allah Ta'ala les défie avec Allah subhanahu wa ta'ala, la atiyannahum min bayni aydihim, que vous venez devant eux, à l'oreille de eux, à droite avec eux, à gauche avec eux,
dans différents Iblis, il dévoile ce plan avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même, il dévoile ce plan avec Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire, Iblis, il travaille dans toutes directions. À ce temps, imaginez, nous, qu'Allah ta'ala de nous, sa iman, là, n'est pas besoin de travail. Iblis, normal, il a ce bon agent. Et ce bon agent aussi, pareillement, pas dormi. Ce bon agent travaille pour tirer ban qui gagne iman depuis le droit chemin. En plus de ça, nous gagnons Allah Ta'ala, il informe nous de ban agent Iblis qui ban ça. Comme Allah Ta'ala a mentionné, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَنْ زَامِي لَنْ بِجَ زَامِي تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ban Yahoud ni ban Nasara pour satisfaire avec toi hatta tattabi'a millatahum jusqu'à qu'ils te suivent cette millet, cette façon de vivre. Et quand je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait, non, je travaille dans ce sens-là. Alain informe nous qu'ils ne sont pas satisfaits avec nous jusqu'à qu'ils nous suivent cette dîme. Je te mets là, je pas assisé, je travaille, je te fais des efforts. Une de bonnes réflexions que moi tu peux apprendre dans Madina, une chose qui toujours moi qui frappe moi. Nous tout connais Madina, c'est une place que pena kafir, tout musulman, la ville sacrée de Madina, tout musulman. Mais seulement ça jeune musulman. Les petits là-bas, les petits comme ça. Je ne vais pas donner une statistique, mais les petits apparents. Parce qu'ils ne vont pas faire servir pour nous prononcer. Nous trouvons ce jeune-là, un bon parti, ce jeune-là, qui lui peut adopter une culture qui est anti-islamique, alors qu'il est dans Madina, il n'est pas influencé par kafir. C'est-à-dire, nous, nous pouvons vivre dans un pays où il y a une minorité autour de nous, et là, mais les autres, il y a une question naturelle, ça, l'humain, ça. Pour un démon, l'imiter. C'est-à-dire, nous, pour un démon, nous mettons dans l'environnement. Tôt ou tôt, ça, l'environnement-là, pour déteindre l'eau, il est naturel, ça. Qu'il soit pour un grand démon, qu'il y ait des enfants, ça, l'environnement, un démon, l'inhumain, ça, pour un démon, on peut se influencer par l'environnement. Mais là-bas, il y a un kafir qui vit, mais comment y adopter le mode de vie kafir, hein? Comment y adopter la mode kafir? Comment arrive ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me tape sur la peau, je lui dis, bêta, tu as besoin de mettre ce qu'il y a tes pantalons là. Bêta, tu as besoin de jouer la musique, tu as besoin de compter la musique. Il y a quelqu'un qui a fait dawa dans sa place là, dans ce sens là, dans ce sens, c'est-à-dire, invite vers sa banane, les autres cultures là. Non, physiquement, il y a 10 personnes qui ont fait ce travail là. Mais, les moyens, ben, pour faire une série, ben, moyens, ils atteignent les cœurs du monde musulman. Pour faire là, ils vont descendre là-bas avec ce lié physiquement. Dis-moi là, ils vont descendre là-bas, lui. Mais avec ce, un point humain moyen, c'est dish. C'est-à-dire, ça va une parabole. Et nous connaissons un moment, ben, Olama, tu tiens pas toi, pas qu'un droit servi, tu causes contre ça. Mais c'est mal une rentrée. Culturelle, une rentrée. Ben, frère qui voyageait. Ben, frère qui n'allait pas dans un pays musulman. Parfois, il peut trouver un dimoun. Bon, on n'a pas besoin de voyager pour trop lire de Maurice. Mais moi, on peut redire d'un pays musulman. Quand nous ne sommes pas supposés trouver comme ça, nous trouvons un djimoun, il fallait lui causer, nous reconnaissons qu'il peut causer dans le gaz arabe et il y a un musulman en plus de ça. Mais dire, de son apparence, il n'y a aucun trait d'un musulman. Qu'il y soit monsieur, qu'il y soit madame. Une autre petite chose encore, quand on a eu l'occasion de faire Umrah, quelques années de cela, dans lequel vous avez télévision, dans différentes chaînes, il y a beaucoup de chaînes dans le pays arabe pour donner une information. Tout ça man présentateur là, qui vient là, ça man télévision arabe là, en général, ça man pays musulman. Quand vous êtes eux, tout européen, n'est pas aucun trait, veut dire une trace de l'islam dans eux. Mais comment arrive cette situation là? Comment cette déculturisation là, il prend lieu? Alors, imaginez-nous à Maurice, comment nous vulnérables, nous ne pouvons pas vivre parmi, mais nous avons les autres communautés. Et nous enfants, c'est bizarre de ça man l'école publique. Mais comment nous pouvons faire pour nous préserver sa identité? Nous-mêmes, lui et nos enfants, nous-mêmes, nous, si nous ne prenons pas précaution, nous pouvons influencer, nous pouvons tomber, nous pouvons perdre nos cultures. Et en plus de ça, pas besoin de dire, nous, les jeunes, encore qui sont plus vulnérables,
qui lit sa jeune là, il peut grandir, à ce il peut faire croissance, et il peut visiter dans l'école là-bas que tout la majeure partie son bon camarade, c'est pas, comment nous finissons, le pourcentage, le pourcentage, la majeure partie, c'est pas musulman. L'IP côtoie, ça va de nos musulmans là. Alors, comment nous parler qui nous bons enfants, pas influencés par ça? Alors, il y a un effort pour faire. Il y a un effort pour faire pour nous compte carré. Ça, nous n'a, de cette façon, nous disons, j'ai nage contre courant. Mais c'est ça, Allah, Ta'ala, il crée nous avec, la katralakna l'insana fi kabad. Il crée nous pour lutter. C'est la lutte là, ça. Shaitan peut lutter de ce cimé, nous ici nous besoin lutter. Shaitan il a ce bon agent, Allah Ta'ala choisit nous, comme un Kenaïman, nous besoin sentir nous responsables pour soyer sa flambeau. Soyer, pas que ça, nous pas connaître, nous peut travailler d'après nos capacités, nous pas connaître beauté, nous efforts, Allah Ta'ala met barakat là-dedans. Mais nous besoin travailler, nous besoin travailler, nous besoin faire des efforts pour qu'il nous digne préserver. Quand nous disons, préservez, nous, musulmans, nous, madame, nous, enfants, préservez. Quand il était trouvé, qui ça, c'est un musulman. Après, il y a ça qui se appelle Azoudi. Peut-être, il y a un musulman qui va développer un sens d'infériorité, un complexe d'infériorité. Comment pour combattre sa complexe d'infériorité? Et comment y arriver aussi ça? Sa complexe d'infériorité-là, un des bons facteurs, quand nous guettons le monde musulman. Et nous comparons les scènes d'un côté matériel en général. Nous trouvons ça le monde musulman là, puis avancer, puis aller même. Il y a une campagne qui fait dans les médias. Nous pouvons dire ça le monde non musulman. Non musulman peut faire l'avancement dans différents domaines scientifiques, technologiques, militaires, l'économie. Alors qu'il nous trouve musulman, les peuples seraient graissés. La guerre, partout la guerre. La guerre, 10 ans PVSC, dans différents. Les temps sa musulman est exposé avec sa main qui se chose d'alicapable. L'icapable ne peut dire pas nécessairement. S'il lui manque la connaissance, l'icapable développe un complexe d'infériorité. Et une fois nous développons ça dans nous, là nous sommes vulnérables. Même nous capables de perdre l'iman. Même capables de perdre l'iman. Alors nous devons faire ces efforts-là. Qu'Allah ce matin-là, lui fait nous prendre compte, prendre conscience de nous dire. Nous ferons, Boudjahid Rajab, Inch'Allah, pour élaborer l'eau. Pour faire une picture de la situation, comment, dans quel halat nous pouvons vivre, musulmans peuvent vivre aujourd'hui. Inch'Allah, après nous guetter, nous allons faire, nous capables d'écouter Dieu aussi, nous qui présent, nous écoutons Dieu aussi un petit peu, Inch'Allah. Je passe la parole à nos frères, Moudjahid Rajab, Jazakumullah khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout l'adoration pour Allah ta'ala. Nous remercions pour la vie qu'il nous fait au nous. Et faveur qui nous déjouit actuellement. Ensuite, nous avons eu la paix et bénédiction de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur mon compagnon, sur la famille, et tout mon caméliman dans l'isca du dernier jour. Situation actuelle de mon musulman, ça te fait qu'il se faisait avec nous après ça. Les temps nous guettent un petit peu, nous tout, nous guettent actualité, nous guettent qu'il soit à travers WhatsApp, le Facebook, le Internet. Parfois, un frère qui lit pas même l'autre, ça qui ne voulait pas comprendre rien, il a bien grand du monde. Un qui vient de venir au lit et qui ça qui peut arriver, lui montrer une photo. Et qui, là-bas, qui peut arriver ça. Alors, nous trouvons situation catastrophe partout. Et donc, nous prenons lit que ben, un pays qui supposé peut représenter l'islam. Catastrophe, nous tous nous trouvons qui va arriver. Quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu viens pour combattre et n'a pas fait inauguration là. Les deux nous prenons dans certaines, mais les autres pays comme l'Indonésie, etc.
côté musulman en majorité. Situation catastrophe pareil. Un frère, je souviens l'exemple, un frère, il révolte, il retourne vers Dine. Frère, là, commence à avoir un problème la case. Il dit comme ça, mais pour un petit quitté temps, il faisait paraître ce côté. Il dit qu'il choisit pour y aller travailler dans le bateau. Vu qu'il fait retourner vers Dine, il a envie de fréquenter un musulman. Il a fait camarade avec un indonésien. Les deux retournent, ils disent que j'ai un choc. J'ai un choc de temps avec un indonésien. Moi, je fais commencer à prendre conseil dans Dine, je commence à fréquenter d'autres. Pour qu'on m'a dit, je vais prendre un petit conseil dans Dine. Je ne connais pas qu'un droit bois, je ne connais pas qu'un droit manger des affaires pauvres, etc. Je vais prendre mes précautions. Mais maintenant, je plonge plein là-dedans. Et dans nous sommes dans un pays contre musulmans en minorité, je trouvais pareil. Mal musulman, je subis plusieurs bandoules. Comment man l'ennemi, je ruine, je mine la vie mal musulman, dominé dans un pays, je empêche certaines manquées de choses, comme par exemple, mettre niqab, mettre hijab. Et dans certains pays, que nous même, nous faisons faire courbani, nous, les temps maintenant, je trouve une personne qui prend courbani, puis elle prend des animaux, puis aller, je t'arrête de chauffer là, je te rappelle, je te bâtis, je te lis. L'aine. Et là, que je prends 10 moun là, je te mets lui, ensuite je te l'occupe, ça m'a un peu flamme de yéli. Faire 10 moun là, bâtis, faire lui dormir, faire un peu flamme aussi au lit. Alors, nous trouvons dans toutes les situations, contre musulmans en minorité, contre musulmans en majorité, situation pas facile. Allah subhanahu wa ta'ala, dans chapitre 7, ayat numéro 56, il dit, « Ba'da a'udhu billahi minash shaitan rajim wa bismillahir rahmanir rahim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. » Allah subhanahu wa ta'ala dit, « N'a pas fait une corruption de la terre après qu'il fin être réformé. » Dans une place que Dine, tu finis rentrer, tu faisais continuer à mener la lutte, tu faisais l'exemple, un modèle. Alors, nous trouvons, qu'est-ce que je peux faire? Je peux reconstruire la façade, reconstruire une fin de corruption. Et ce qui est très très drôle, frère Mthias, je vais expliquer. Et donc, vous êtes un musulman qui est dans le pays là. Je ne peux pas dire tout. Mais seulement en grande majorité. Je suis très tranquille, je suis content, je suis apprécié ce qui peut dérouler dans notre pays. Ce qui m'a bien amené, je suis content. Par exemple, dans nous trouver un concert organisé dans un pays islamique, qui tout n'est pas étranger qui vient là-bas. Nous pouvons trouver des vidéos, combien avec ce hijab, avec ce djilbab, combien avec ce amama, ce thob, tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit n'a pas fait une corruption de la terre après qu'il s'y ait réformé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un calife qui vient après. Alors, ça, tu vas une bonne place pour du monde rester, tu vas un symbole de l'islam. Dans chapitre 13, ayat numéro 11, Allah ta'ala dit Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour sans situation d'un peuple, un qawm, aussi longtemps que sa peuple-là n'est pas sans ce qui est à l'intérieur de lui-même. Veut dire, ce qui peut arriver dans tout ça dans les autres pays, là, Bandi Mouna, est-ce que je peux faire qu'il dise faux pour sans à l'intérieur, même par dégoût, par ce qui peut dérouler, nous n'avons aucune autorité, Yarab, mais seulement nous pouvons compter ça, non, qui peut arriver? Je suis content. Alors, le temps nous guette dans cette situation là, c'est un petit peu en déo. Qui nous capable de faire? Nous capable de faire droit pour ce faire là, pour ce pays là. Nous capable, certains qui veulent faire difficulté aux bandes musulmans, nous c'est boycotter ce bandes quelque chose, c'est tout qui nous capable de faire. Mais quant à nous, dans Maurice maintenant, il y a quelque chose qui nous capable de faire pour améliorer nos situations. Nos réalités dans Maurice, nos situations de Maurice en tant que musulmans, comment est-ce qu'il y était? Première quelque chose qui est avec nous, c'est concernant la connaissance et l'ignorance. La connaissance, chers frères, parfois, comme on a une cause de créole, il dit, vous voyez, quand on ne fait pas des efforts pour gagner quelque chose, ou pas qu'on ne soit pas l'air. C'est une chose qui est arrivée à ça.
qui hadith difficile pour un dimoun tirer là? Qui ayat Quran difficile pour un dimoun rôder là? Comment vous allez? Tac tac, le sopotable. Aïe là, hein, c'est ça. Les gars, sur tafsir, ils ont envie de mettre les lectures, ils ont envie de mettre les traductions français, anglais, peu importe qui. Les gars, ils là. Les gars, ils avec beaucoup de facilité. Et de l'autre côté, l'ignorance. Qui quantité du monde, il n'y a pas qu'on se dit. Un simple exemple. Vous connaissez pas une manque de choses qui, ben, les enfants apprennent depuis petit. Ils 12 mois calendrier islamique. Moi, avec un équipe de jeunes, je me posais une question. Si arrivé un jour, Ramadan, avec Hajj, Kurbani, Zouen Osam, qui laquelle nous fait? Nous gardons Rosa ou bien nous faisons Kurbani? Un petit commence à dire Rosa, l'autre commence à dire Kurbani, un dit ok, allez, lève la main que ça qui dit Rosa. Lève la main. Vous pouvez dire un équipe en grand zéné, ça. Un autre parti lève la main pour Kurbani et qu'un parti dit non, question là, par exemple, quelque chose drôle là. Bien tigui qui, à dire je peux apprendre, je peux maîtriser, je peux connaissance, je peux. Le reste qui m'est arrivé, l'intro, Ramadan avec. Hadj n'est pas possible qu'à jouer au sang. Alors, c'est ça, la connaissance, il y a quelque chose d'extrême pour un exemple bien banal, ça. Mais combien de choses qui sont arrivées à ciel, et dans nous trouvons nos réalités, chers frères, surtout avec ça, dès l'année qui nous traverse, et dans nous finissons un confinement, etc., et dans nous guettons concernant l'éducation. Mais Maurice, plein avec Alim, Facebook, pas causé, extraordinaire. Ou gagne pire pour quelqu'un qui gagne une petite chose à cause du monde sans plus dans ma compréhension. Ou redonner un bon conseil, et pas comme ça, à te demander, eh ouais, mais toi, de l'autre côté, toi, fini à qui je suis mis dans le panier, voilà. Alors, une devant réalité que nous pouvons vivre actuellement, c'est, nous pouvons croire qu'il nous manque grand intello côté digne, au fait, nous peinons à la connaissance, et nous peut plus éloigner avec la connaissance. Et on nous guette. Tout, ou on vient de mettre un poste, que tu sais comment tu te fais toi ou gagner là. Et là, il y a une pose question, il y a une donne sur toi, il y a une moufti tout, il y a une. Extraordinaire. Et ça, il y a quelque chose qui peut continuer, il y a les mêmes ça. Tout du monde, il y a tout ce qu'il y a envie d'ordine. Ça montre niveau l'ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans chapitre 39, ayat numéro 9, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dire, est-ce qu'ils ont pareil ça, ban qui connaît avec ban qui pas connaît? Un simple exemple, chers frères, sagesse de la connaissance parfois. Un dimoun, on finit fait établir, on finit dire lui, on finit. Informé, ce qui te fait là, il n'est pas correct, pas comme ça. Hein? Il pourrait persister, il pourrait aller, il qui fait. Il y a envie, il y a une dernière parole. C'est qu'il y a connaissance, c'est qu'il faut faire. Moi, je fais mon travail, tranquille, il veut y aller. Guettez-toi. Mais elle, c'est lui qui a une connaissance, il fait. Il reste discuter, y aller. Hein? Et dans cette discussion, il y a un problème, il y a un aller, il vient. Sur l'opinion. Et mon pensée, d'après moi, un de mes plus grands problèmes de nos hommes aujourd'hui, tout le monde déclare qu'on a tout quelque chose d'ordine. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui met en phase au cherche la connaissance. Il dit, hadith collectionné par Imam al-Tirmidhi, Talab al-ilmi faridatun ala kulli muslim. Cherche la connaissance, apprendre, c'est une petite chose qui est obligatoire. Il y a une obligation autour d'un musulman. Un musulman, il vient apprendre depuis qu'il est en BSO jusqu'à qu'il rentre dans son kabar. Je continue à faire des efforts, il reste apprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith toujours collectionné par Imam al-Tirmidhi, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. C'est lui qui Allah Ta'ala voulait du bien pour lui. Allah Ta'ala fait lui gagner la compréhension de din. Allah Ta'ala fait lui comprendre din.
Alors, pour nous capables d'améliorer nos situations, c'est numéro un, la connaissance. Nous devons apprendre, faire des efforts. Nous devons accepter qu'il ne nous pas connaît. Et dans l'île, penser, comment dire, voyez, comment l'île écoute une leçon par un tel ou YouTube. Alors, plus grand moufti qui est dans ce sujet-là, là, pena, il comprend tout. Deuxième chose qui, ben, les musulmans nous font face à Maurice, nos réalités qui nous peuvent vivre, c'est concernant certaines man fitna, qu'ils soient, ben, quelque chose intoxicant, qu'il soit, je m'en vais du hasard, gambling, ou bien l'adultère. Quoi qu'il soit, nous mentionner là. Souvent, deux fois, ou t'en dire, un jeune musulman, une mort, overdose. Une fois, jouïd, gagne une cause, te libre là, un jeune, si tu restes avec ma fête, tu restes avec tes cas, puis une passe le temps là. Jour il gagne un coup et bien fait sur vous seulement. Il y a qui arrive l'accident, overdose. Alors ben jeune musulman plongé dans ce qu'on appelle quelque chose d'intoxicant, la drogue, cigarette, chicha, ganja, il y a les mêmes. Deuxième, c'est concernant gambling, surtout ben jeune. Dans l'époque, comment dire, j'ai tout envie comment dire, na tout ban quelque chose sophistiqué avec lui. Il y a envie d'un portable, il y a envie d'une tablette. Alors, lire ban quelque chose facile. Souvent, des fois, je finis gamble. Gambling, pas nécessaire comment dire, sort des morts. Gambling fait le son portable assez. Et là, dans où t'en dis, c'est extraordinaire. L'ingamble, le football, le football est un seul détail, net ça. Et le concernant zina l'adultère, vous dites lui qu'il soit une fille ou bien même un garçon, il saute les sons, il trappe là, mais il peut marcher devant vous, lui. Il marche, il y a allé, lui. Parfois, si c'est un biche, moi, devant la tout le non musulman, même, je te fais ma vidéo, je t'avoue, il est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui diable sur la tête qui peut dénigrer la communauté. Plongé dans zina. Allah subhanahu wa ta'ala attire nous l'attention dans chapitre 5, ayat numéro 90. Ya ayyuhal ladhina amanu innama al-khamru. Oh ben kena iman, certainement, ce qui appelle khamr, tout ben quelque chose qui fait l'esprit aller, tout ben quelque chose qui est intoxicant. Wal maysiru, l'argent facile, tout ce qui appelle gambling. Wal ansabu, et ban roche qui banna tu peux sacrifier ban animaux à l'époque l'oula, ou al azlam ou ban flèche qui banna tu peux servir pour je dire qui peut appeler apôtre ban bonheur, ridjusun min amali shaytan, c'est ban mal propreté depuis ban travail de shaytan. Les gens te travaillent une cigarette, zénès, les gens te veguent une petite chose qui nous mentionnait là, tout le monde est mal propreté shaytan à ce. Qui fait, fallait tout commencer à arrêter avec sa main qui chose. Il y a là qui peut arriver du bien, Allah Ta'ala pour ouvrir mon chemin. Ayez qui nous donne, fallait qu'il nous sent ça dans nous. Il y a là qui Allah Ta'ala pour améliorer nos situations. Fajtanibou, alors reste-moi de sa main qui chose. La'allakum tuflihoun, afin qu'ils soient capables de faire la réussite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu l'attention d'un hadith collectionné par Imam al-Bukhari. La yatiyanna ala nas zamanun. Pour arriver à l'époque, pour une prédication, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour arriver à l'époque, le ban du monde qui peut arriver, la yubali al mar'u bima akhadha al mal. Un du monde pas pour gagner un tracas, il n'est pas pour même conscient depuis qu'il y a une richesse, un point à casse. Amin al halali, amin al haram. Est-ce qui qu'est-ce qu'il y a là, il vient de halal ou bien il vient de haram. Chers frères, du monde est en Covid, parce que je dis qu'il y a une excuse. Nous sommes musulmans, là, musulmans. Je dis qu'il y a une excuse pour être capable de faire
même mon travail, tu vois, des gens pas travail, un peu de difficulté. Il peut penser que ce travail n'est pas même sur risque. Il peut pas comprendre que ce travail, c'est un moyen. Il peut penser que ce travail, la fin du mois, qui nourrit sa famille. Il peut pas connaître si demain il mort, sa famille pourrait être nourrie. Peut-être à travers Zakat, Mazib, mes familles là, ils pourraient être nourris. Pas bizarrement obligé ça. Moi, de moyens là-dedans. Et donc, vous avez dit, alors, il fait un travail. Moi, quand j'ai un frère, il fait une sérigraphie, un dessin, imprime un t-shirt, etc. Il fait une boîte, parfois, aller, c'est une petite boîte, mais le gâteau, il nous barrait là-dedans pour une famille. Musulmans ou rencontrés, ou trouvez dans une boîte avec ce photo idole là. Boîte avec photo idole. L'hyper grave, l'eau, un t-shirt, photo idole, pour banner pour le grand bassin. Musulmans, ils peuvent faire ça là, musulmans. Tu poses la question, tu connais les boîtes là, vendent bien pour Diwali. Mais qui va vous faire mon travail même ça, mon gain pour imprimer ou bien imprimer. Je vais dire, il y a une excuse, il peut être excuse. L'autre, il y a une boutique. Avant que vous rentrez dans la boutique, vous connaissez ou non que un musulman, qui vous faites? Faire musée, vous prenez votre quoi? À cause vous connaissez, il y a sur la liste avec les bonnes ingrédients, eux, etc. Il finit vérifier tout. Ah, c'est pas comme ça, du tout. Et donc, vous allez, eh ben, on checker ça, on checker, ne faire vérifier ça, ça gâteau, ça chocolat, un goût. Qu'est-ce que vous dites? Eh, maman, mais demandez-moi, du monde qui a envie de venir, il prend, du monde qui a envie de vérifier, il vérifie. Mais vous ne posez pas la question. Qui fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, dit moun n'a pas arrivé à l'époque, il n'y a pas pour gagner un tracas, il n'y a pas libre de gagner un casse. Qu'il soit li halal, qu'il soit li haram, l'olé il va casser sa tête. Vous voulez libre de gagner. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attire une attention collectionnée par l'imam et Tirmidhi. La tazalu qadama abdin yawm al qiyama. Un serviteur le jour Qiyama se délipe pas pour sortir du tribunal Allah, mais pas pour bouger depuis le tribunal Allah. Hatta yus'al an umrihi fima afna. Aussi longtemps qu'il n'est pas répondre concernant sur la vie qu'il finit faire avec sur la vie. Wa an ilmihi fima fa'ala fi. Wa an ilmihi fima fa'ala fi. Et concernant sa connaissance, qu'il finit faire avec sa connaissance. Il apprend, oui, beaucoup de choses, nous avons dit que c'est mêlé en mettant en pratique. Est-ce qu'il les met bien en pratique? Ben, c'est un petit chose, cher frère, ben, c'est un petit chose. Combien de fois vous dites avec un grand dimoun, hé, hey, mange la main droite, ta. Ça, si vous avez dit, hé, que tout le monde dit, si vous avez dit, c'est là. Ben, il pas apprendre ça. Apprendre, c'est une petite chose, mettre en pratique, c'est une deuxième petite chose. Mon potentiel petit jugement, là, moi-même, quelques petits exemples. Mon rentre dans un site, là, au qu'il vient mon rentrer. Et puis, je vais apprendre ça. Mon lieu avant de rentrer dans la zid. D'aller me sortir, bien pour occuper mon sortir. Avant de faire un jour dans la toilette. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous met en pratique, connaissance qui nous met en pratique, ça? Ou bien, comment dire, eh ouais, ben tu apprends, nous connais, mais seulement, comment dire, pas pour attention à ça, quand nous faisons l'action. Et n'a compte pas le rendre le tout mal connaissance qui nous fait gagner, comment nous fait appliquer ou pas. وعن ماله من اين اكتسب concernant sa richesse comment il fin gain sa richesse wa fima anfaqa et comment il fin dépense sa richesse un papa actuellement comment il dépense sa richesse oui moi tu donne ça mon donne mon garçon casse gâteau pour y aller pour manger comment il fin gain papa là qui vous en répond. Et donne-nous quel garçon là. Garçon, oui, comment il gagne? Mon papa, tu donnes moi. Il est bizarre de répondre à ça. Moi, tu prends 35 ans, moi, tu as le manque de nal. Ou bien, pour ça, là, chef, dis-moi, non, il n'y a pas qu'elle est en pension, madame, qui m'a dit, sorti un petit guide tellement, qui m'a dit, rush dans la vie, etc. Faire un letout, n'est que les vichés, guetter qui quantité, ben, tu fais avec hijab, avec garçon, les pieds à l'élite. Tu n'as pas de travail, toi. Comment tu peux payer là-bas? Tu as une montée, du monde qui est dans la casse, pas avec avant de manger, grand grand restaurant. Comment tu peux pas travailler, toi? Casse-toi, papa. Il n'a qu'on pas le rendre, que tu as gagné. Papa, tu donnes, facile pour répondre à vous là. Mais comment il dépense? Hein, pour ton maman, pour te serrer la case, pour te petit frère,
jamais d'une douleur importante, c'est une petite chose à mener. Non. Pour dire étranger, mais après, tu as une petite moelle qui est fait mal, ça. Beaucoup ça, beaucoup pleure, tout ce qu'ils vont faire pour lui. Alors, ça, c'est une réalité. Un petit peu concernant richesse, comment peut-être, depuis un jeune là, si depuis tout petit, il peut grandir comme ça. Alors, quand il est grand, il est plus grave encore. Concernant sa papa là aussi, pareil, comment lui, il gagne sa richesse là. Un frère, il est dans la boutique, il peut dire, parfois, il y a un musulman rentré. Nous, nous connaissons un musulman. Il a besoin de 5 10 pains. On lit là-bas dans le panier. Ou bien, il amène la moitié, comme tu prends 5 même. Il dit, ou bien, choc. Un beau jour, veillez, et il prend 7 10 pains, il vient payer pour 5. Deuxième coup, 3. C'est bien arrêté, ça, une fois là. Ça ne va pas là qu'il y fait. Il peut prendre. Il peut quoi, comment dire, il y a un profit là, lui. Il peut amener quelque chose haram, il met dans ses enfants, se vendre. Il peut amener quelque chose haram dans son écho. Les bouffées doivent se doivent accepter. La malhonnêteté. Ou un dismili fi ma abla. Et comme ça même, il n'a pas à répondre concernant Soleko qu'il finit faire avec Soleko. Dans chapitre 17, ayat numéro 32, Allah subhanahu wa ta'ala tient nous l'attention. Wala taqrabu zina. N'a pas causé avec ce qu'il appelle zina. Pas causé, ben, j'ai pas fait là, j'ai pas causé même. Tout moyen qui amène vers Zina, pas costé. Si Facebook a un moyen pour amener moi un chat avec un petit fille pour mettre un rendez-vous, pas besoin de nous, dis-lui Facebook la même. Tout moyen qui peut amener moi vers sa petite chose, ça qui nous fait, pas costé, reste loin. Innahu kana fahishatan, ça c'est une action qui est obscène, ou asabila, et c'est un mauvais chemin. Musulman de Maurice, nous, beaucoup, demandons quelque chose pareil. Nous, cause grand causé, mais man, c'est un petit quelque chose. Pas c'est un petit quelque chose, dit grand quelque chose. Quand Allah Ta'ala peut mettre restriction, Allah Ta'ala, il empêche nous pratiquer. Ensuite, nous dire, pas gagner tranquillité. Oui, il peut fermer mes doigts. Tu connais combien de doigts mon frère pour passer pour l'examen? Tu connais combien de doigts mon frère pour gagner un travail? Tu connais? Est-ce qu'il nous doit accepter? Donc, trop beaucoup. Désobéissance à Allah. Un musulman, ses frères, l'ibizien reste loin avec beaucoup de choses haram, comme on dit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans chapitre 65, ayat numéro 2, il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. C'est lui qui vient à taqwa pour Allah, Allah ta'ala donne un chemin sorti dans toutes ces difficultés, dans tout problème. En d'autres mots, Allah ta'ala résout toutes ces difficultés. L'ibizé est un taqwa Allah. Comment il peut dire ça? Qui veut dire ça? L'ibizé met une barrière entre lui avec Allah Ta'ala sur une punition, Allah Ta'ala sur colère. Comment il met sa barrière là? Comment il met sa taqwa? Comment il met sa barrière là? C'est pas reste loin avec quelque chose qui a l'air empêcher lui. Et pas pratique tout quelque chose qui a l'air fin haut de lui. Un musulman, l'ibizé, c'est lui qui. Vous connaissez, par exemple, un frère Ali Lazier, il s'est bien un exemple, il dit, tellement qu'on a dit depuis petit, nous nous concernons pauk, la viande pauk. Parfois, qu'on a dit, ton molem, sous le de télévision, qu'on va le trouver, qu'on a dit, puis montrer où ça enseigne. Si vous allez arriver, tout même, ou vieille figure. Si vous connaissez une place, vous ça ici, ou préférez moi, c'est un petit guide, puis je ne vais pas faire prendre l'autre chemin. Sa qualité dégoût là qui nous est là pour ça qui chose là. Il y a quelque chose haram. Il dit même qualité dégoût, ban parents, depuis un jeune âge, bisez mettre dans les cœurs des autres enfants, puis les autres enfants comprennent pour ça ban les autres qui chose qui a la fin de décret haram. À cause de tout haram. Alors, ben musulmans, dans Maurice, souvent des fois nous plongeons dans quelque chose pareil. Concernant la boisson alcoolique, une réalité, chers frères. Pourquoi mon parent, quand je ne connais pas, il y a un camarade qui amène la boisson alcoolique pour l'autre camarade qui est venu boire de l'université. Belle coopération vers le mal.
Li meti dans un paquet transparent, un paquet justice. Personne pas vous connaît qui lui bébé. Et donc, parents, vous avez dit que vos enfants font telle qu'une chose. Pourquoi dit là avec mon parent. Un parent, quand il connaît quelque chose avec concernant ses enfants, il n'y a pas comment dire, il y a une confiance aveugle de ses enfants. Il est besoin de vérifier à cause de l'époque qui nous peut vivre. Tout quelque chose possible. Tout quelque chose possible. Quand nous avons quelque chose de nos enfants, nous devons aller à faire une petite recherche. Ensuite, nous guettons quand nous vous tacler, s'il est vrai ou bien s'il est menti. Et là, nous guettons quand nous à cause avec ça, tout le monde qui a mis ça nous venant vers nous. Une autre situation de ban musulman dans Maurice, c'est l'indifférence. L'indifférence de mentalité de ban musulman. Vous m'avez dit, le temps, il travaille, il vient sur la case, vous connaissez, moi, maintenant, madame, mes enfants. Oui, mon god week-end, un petit sorti. Côte moi, comment dire, tout correct. Il n'y a pas de tracas qui traversait de l'autre côté, pas de tracas non, il n'y a pas de ça. Alors, les gens nous dit dans une situation, quand il y a quelque chose haram levé, comment ils répondent, parfois nous avons un choc, chers frères. Un simple exemple, toujours dans les réseaux sociaux. Un mouvement levé, haram, ben qui amène malédiction à Allah, ben qui Allah Ta'ala finit cause concernant les autres dans l'histoire de Lout, alayhi salam, LGBT, ben qui fait une action qui même entre animaux pas faire. Les temps où il y a un musulman, il commet l'eau, ben il dit, les autres la vie, les autres filles, les autres libres, les autres. Un musulman répond comme ça là, qui n'arrive pas. Mais si demain, ça qui est là, c'est mes enfants, vous avez parlé, et sur la ville. Non, là, mon galop de yéma, mon galop de yéma qui ken, un psychologue, ça n'a qu'à conseiller, etc. Fallait pas un musulman qui est indifférent dans ma petite chose, surtout quand il transgresse limite Allah. Les gens disent comme ça, tel pays peut faire trop beaucoup de façade, peut trop faire difficulté aux musulmans. Peut boycotter sur un produit. Donnez le coup de main là-dedans. C'est comme ça qu'il nous montrait nos solidarités envers les musulmans qui peuvent être opprimés devant les autres pays. Les temps comme ça même, nous donnent une campagne qui peut faire concernant la drogue. Ouais, ben ça a disposé. Nous ne pouvons pas nous faire rien, nous. Ça a disposé. Nous avons causé une faire la drogue, puis nous avons fait ici. Mais c'est moi qui vais vous parler. Ça vient depuis là-haut. Non, qui nous vient faire? Donner un coup de main, guettez comment car. Si un drogué, un récit, comment dire, nous l'approche en vélie, etc. Un membre de la famille, qui tu veux enlever ça, quelque chose là, peut-être nous capables de venir un moyen pour nous empêcher certainement le mal. Un musulman, il ne fallait pas lui rester indifférent dans ma situation comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le chapitre 3, ayat numéro 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. C'est nous-mêmes, c'est ça même, ça ummat là, meilleure communauté qu'Allah Ta'ala fin tiré depuis l'humanité. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. C'est un ummat qui lui ordonne le bien et qui lui empêche le mal. Azodi, et dans nous guette, ordonne le bien, empêche le mal. Est-ce que musulman, il est au terrain, il fait quelque chose là? Est-ce qu'il lui ordonne le bien? Un papa, est-ce qu'il veille de sur la case? Soit là, il peut faire, c'est sa responsabilité, il peut répondre ça, lui. Ou bien à cause, lui, peut faire, pour lui, il peut faire. Est-ce qu'il lui ordonne le bien depuis sur la case? Est-ce qu'il lui ordonne le bien et lui empêche le mal quand il trouve un mauvais quelque chose? Nous rentrons dans la boutique, par exemple, chers frères. Nous faire échapper, nous rentrer. Un petit zéné, ce qui fait échapper, lui aussi lui rentrer. Nous devons acheter une cigarette, mais bon, puis aller. Et à cause, dis pas famille, moi, ça, mais on n'a aucun problème. Ce papa, il sait qu'on est non. Ben, on n'a pas senti la case, qu'on dit, ben, on a qui besoin de venir. T'as l'air mal de ce papa, même on a un tas de problèmes, là. Non, nous, si car, on peut ça le mal, là. Eh, bêta, tu peux fumer, bêta. Eh, bêta. Tu peux réaliser qu'il devait faire, bêta. Tu fais que ça aussi, n'avance, là. Tu fais quelque chose normal, ça, tu viens. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous, comment dire, nous indifférents, les temps nous trouvent, une situation pareille traversée.
Alors qu'Allah Ta'ala peut dire, Saoumat là, il ordonne le bien, il empêche le mal. Pas penser, c'est pas une grande association ou bien un département ministère qui vous vient faire. Non, non, pas dire, c'est pas que vous m'avez arrivé le mal, eh bien, ça travaille la police, ça travaille un tel, ça. Non, non. Je ne pas finir de commander. Peut-être que je peux gagner un petit lapin. Non, nous finir de commander pour faire ce travail-là. Mais, pas une façon qui vous m'a dit, parfois, vous m'a dit, un démon, il n'est pas qu'on empêche le mal, lui. Dans un rôle empêchant de mal, il crée 10 et mal, puis après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai nous un hadith collectionné par Imam Muslim. Man ra'a minkum munkaran, celui qui parmi nous lui trouve un le mal, fal yughayyirhu biyadi, alors qu'il y a arrêté avec cela, avec cela fausse. Fa illam yastati', s'il n'est pas capable d'arrêter le mal là avec cela fausse. Fa bilisani, alors avec cela langue. Les causes contre ça, les dénoncent à cette chose-là. Fa illam yastati', fa bi qalbi. Et s'il n'a pas capable même, ensuite par un dégoût de ce léquier. Wa zalika adhaful iman. Ça c'est l'iman plus faible. Et comme mon imam expliquait, il vient en l'autre ça. C'est lui qui a servi la force à arrêter. Arrête cette chose-là avec sur la force. Il va dire oui, mon cousin. Un papa, ce garçon, de primaire, de fumer, papa là, dit oui, mon cousin. Non, tu es bien servi la force. Dis-moi, je contrôle quand il peut sortir, quand il peut aller. Tu vas aller, ok, ben non, alors, moi, je suis dans la masse. Alors, ça nous retourne ensemble. Quand il est capable, il vient appliquer sur la force pour arrêter le mal, ou bien s'il n'est pas capable, par sur la langue. Et s'il n'est pas capable, ensuite pas un dégoût par sur l'équerre. Et ça, il vient une petite chose en l'autre. Peint du monde, comment il trouve une petite chose? La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah. Madia, il n'est pas même cause contre ça. Il n'est pas comme ça dans ce hadith là. Et comme l'imam expliquait, il dit en l'autre. Si tu vas aller cause là, il ne pas faire comme ça. Il pas correct ça. Il pas bon. Hein? Et si tu ne vas pas trouver toi, là, t'inquiète. Et tu ne vas pas une réputation. Et musulman, toi. Mais tu connais, tu donnes un test, toi, tu donnes un test à l'Odunia, là. Et tu connais, de fumer, là. De fumer, là. Tu connais, c'est une dernière action que tu fais avant Ange, l'amour pour toi, là. Alors, nous faisons causer, conseiller, et non plus quand nous trouvons le mal, nous restons tranquilles devant elle, le mal. À côté de nous, en général, musulman, il trouvait, il pas dire, il pas connaît qui peut dérouler. Il trouvait, qui peut dérouler. Il connaît qui pas bon. Il connaît qu'on peut vendre. Mais c'est moi, il pas fait un rien pour ce endroit. Il pas fait un rien pour vous mettre là. Pour venir, il pas là-dedans. Ses enfants pas là-dedans. Il m'a le droit d'y aller. Parmi, ben, quelque chose qui encore affecté nous, société musulmane, à Maurice, c'est nous pas qu'on investit nous le temps aller comme ça même, surtout pour les jeunes. Ce le temps fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître un hadith collectionné par Imam Bukhari. Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, et n'a défavé Allah qui beaucoup du monde sont insouciants, beaucoup du monde. On va dire, je pas réalise ça. Ça défavore Allah là, le jeu. Qui ça défavore là? As-siha, sur la santé. Et deuxième, al-farar, c'est sur les temps libres. Étudiant doit congé l'école là. Peut-être qu'il y en a qui planent pour faire beaucoup de choses, doit congé. Tu connais, mon travail post-paper, mon fait telle chose là. Maudit l'école vers l'entrée là, maudit l'école vers l'entrée. Guettez-vous comment il fait là-dedans. Gete un coup, comme elle dit, mais qui t'en fait comme ça là, comme on sait? Pas qu'on est, et on est fini seulement. Qui s'en a qui restitue les temps aujourd'hui? Pas restitue les temps. Les temps finis, un jeune uni, monsieur. Il prend ce mot là, monsieur. Belle fitna, monsieur, belle fitna. Deli, nous tous nous disons fitna, qui n'est arrivé? Expliquez un coup. Hier après Aïcha. Moi, j'ai mon égard mon portable un seul coup après Aïcha. Ensuite, mon gars dit, bon, vous travaillez un papier. Et ma camarade m'a mis un dialogue.
Donc, mettre le dialogue, et dans mon guetier, on va commencer à travailler 11h. Pour dire, ben, vous travaillez 11h, on va travailler papier, si on va commencer à faire des vols. Ben, on va faire job, on va faire job, on va faire des vols là. Les temps, il y a 6h, sur les temps, allez, qui doit le faire? Qui doit le faire comme ça? Pas faire rien, les temps, il y a seulement. Alors, il n'y a pas qu'on profite sur les temps. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître selon un hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah ta'ala yaqul, Allah ta'ala dit Yabna Adam, aux enfants Adam, tafarrag li ibadati. Tiens les temps, libère-toi. Oden tigit les temps vin vers mo ibadat, amla sadra karinan. Moi pour remplir ton estomac avec richesse, wa asudda faqra, et moi pour combler ta pauvreté. Wa illa taf'al, et si tu pas fait ça, tu pas réciter un petit guide les dents, tu pas venir vers moi ibadet, mala'tu yadayka shughlan. Attention, nous n'allons là-dedans. Allah ta'ala dit, moi fait tout délamé, reste occupé. Tu restes busy, tu restes bloqué. Tu pas gagné tout même les dents, il y a là. Walam asudda faqrak, et mon n'a pas pour combler ta pauvreté. Tiens les temps, cher frère. De ibadet Allah. Bisez tiens les temps pour lire le Coran. Bisez tiens les temps pour réviser le Coran. Combien parmi nous? Dans le cas d'un coup, combien sur la tournée? What do has this? Eh bien, dans ma darsa, tu apprends ça, non? Oui, alhamdulillah. Mais ça même tout? 15 ans, 10 ans, il y a eu tout qui se marrasse, tu as encore gondi, soit tu as canas, allez, bismillah, commence les sourds à bailler, non. Non, tu connais, ça n'a pas raté. Comment? À cause d'un petit l'homme, non. Pas habitué de dire ça, là, non. Et n'a souvent qu'à faire une même étape, à cause d'un des ayats pareils. Mais sourds à Rahman, quand tu vas prendre. Pas réciter un petit guide les temps pour lui venir apprendre parole à Allah, pas réciter. Il gagne les temps, tu as les temps pour aller faire des films, il gagne. Ah, c'est pas cause film, assez. Cause série, cause saison. C'est rituel. Et à tout goût, Prends nous Allah, là, pas fait la main sous là-dedans. Mais seulement pour lui dire un petit guide pour Allah, il va gagner les temps. Il va réciter un petit guide les temps. Ou de l'ibadet Allah. Parmi les petites choses qui encore, et ça c'est dernier l'aspect qui est avec nous, nous pas réaliser, nous verrons dans une culture de manière européenne, appelée la westernisation. Qu'il soit par l'éducation, apprendre, qu'il soit l'eau, l'habillement, les gens qui ont la coupe cheveux, moi je dis aux gens qui ont fallait quand même une sorte de vie quoi faire une vie là. Un tel peut dire là, Ronaldo là. Et dans les sorties, les vignes, les gens qui ont dit, les gens qui ont dit, Subhanallah. Dans l'école, souvent, des fois, je dis avec mes élèves, comment je n'ai pas un problème à cause de la coupe CV. La loi de l'école secondaire, la loi digne de voir comment tu as rasé une partie, tu as quitté une partie. Non, monsieur, tu dois conseiller, tu n'as pas un mariage, tu n'as pas dressé le code coiffeur. Eh bien, tu n'as pas le code coiffeur pour dresser CV qui existe pour venir à l'école, dans le mariage, tu as comme ça. Alors, il y a quelque chose qui est arrivé, cher frère, dans la vie, depuis petit, il commence à faire certaines actions, certaines choses, il finit commence à imiter. Quand il a fait un petit peu de cause, il imite les autres. Il finit commence à imiter les autres, à tel point. Parfois, un chef peut mentionner l'exemple. Dans l'Arabie, ma famille, je t'amène, je travaille avec les autres. Mais quand on vient travailler, il y a beaucoup de musulmans. Et Madame Philippine me travaille dans la case. Et Madame Philippine me travaille dans la case.
il y a un non-musulman, un chrétien. Alors, madame, là, elle vient beaucoup de enfants, elle aime des enfants, toutes les choses. Une fois, ses enfants, elle peut galoper, son maman, pas madame Philippine qui occupe là, là. Les enfants, là, souvent, elle peut venir avec un vieil de l'eau. Les enfants, là, elle peut galoper, ils tapent avec son maman, elle vient de l'eau, là, tomber écrasé. Pour ma vieille de l'eau, là, tomber écrasé. Les enfants, là, vous voyez qu'il fait, il fait signe la croix. Et donc nous avons un coup, par force ou de force, mes enfants, mes petits-enfants. Et donc un parent a voyé une école, si pas oh, si un parent a visé, qu'on est qui peut dérouler là-bas. Des petits-petits qui peuvent amener ses enfants là. Par tout côté, il peut aller, la télévision, là, sur un dessin animé qui l'y tout ça. Attention, il finit à adopter un autre akida. Il va commencer, il va pouvoir crier, Ya Rab, oh Allah. Il commence. Oh God! OMG! OMG! Oh my God! Allez, allez, au bouton de parole, les bouvines, Jesus! Alors, les comme ça, ce qui peut arriver, c'est westernization. Quand ben du monde commence à pratiquer beaucoup de choses qui anti-islamiques, et ils ont fini de mettre ça dans autres la vie sans qu'ils aient réalisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith collectionné par Imam Abu Daoud, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui l'imite un qawm, un peuple, alors il est parmi ban la même. C'est lui qui l'imite un autre modèle, apôtre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il est parmi celui qui peut imiter la même. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Laisa minna man tashabbaha bi ghayrina. Li pas parmi nous, un celui qui prend comme modèle, un autre apporte nous. La tashabbahu bil yahoud, wala bin nasara. N'a pas prend comme modèle, ban juif, n'a pas prend comme modèle, ban chrétien. Comme ça même, chers frères, et dans nous guettons un petit peu, ça, westernisation, là, il rentre le média, il prend des prix, sur l'étude. Récemment, les élèves de Islamic Studies, étant nous avons un petit peu, curriculum, syllabus, Islamic Studies, nous veut dire, étant nous avons un syllabus qui nous vient, si un sujet comme la vie de quatre califes, les élèves, tu vas penser, je parle un petit peu de l'histoire, tu peux connaître qui est arrivé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu peux connaître comment le premier fitin, comment s'élever dans l'Ummah. Si ça va là, amène man ban quelque chose qui un du monde apprend pas profiter non, philosophie, architecture, est-ce qui comme ça même quand on dit une personne, non, il a un contrôle de ça. Ban qui fait arabique mais impliqué son rôle. Ban des histoires qui sont bien à apprendre, extraordinaire. Ou des élèves. Tu as fait arabe, oui, on va apprendre. Nous avons envie de comment lire le Coran, nous avons compris comment lire, comment lire le Hadith, nous avons compris. Mais ça, c'est la base, c'est maintenant présent devant lui là. Et moi, il fait lui sauver. Mais pas ça qui peut montrer ici là. Les vignes comme ça même, et dans nous, de l'autre côté, médias, Internet, qu'ils soient sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, il y a les mêmes. Qu'il soit le côté d'une cause concernant ma série, ma film, etc. Même ma game. Oui, imaginez-vous, un jeune, un garçon, peut-être même ma fille aussi, il a saisi devant sa télévision avec une manette, il reste saisi, il a saisi pendant 3 ans, toilette, s'il n'a pas gagné à l'air là. Il reste saisi, il reste joué comme ça. Et là, qui, même le supportable, et les joueurs contre mon camarade, avant d'aller à break, il y a un vide peu crasé dans l'école, bouline crasé, quelque chose, c'est pas. À cela, non, dans break, la cour l'école est un peu vide. Comme maintenant, je suis dans cette classe. Chacun peut jouer contre ce camarade là. Vous rentrez dans une classe. Tu ne sais pas qui n'est que W, G, période comprendre. Qui dit ça? Non, code ça. Un peu mon camarade, il met le paquet, tu fais faire ça d'accord aujourd'hui là. C'est Wi-Fi là.
Alors, nous, Bévin Paris, sur les temps Bévin Isis, l'opportable, mes dialogues, mes commentaires, get nos camarades sur ma galerie, côte-côte l'inale, après chacun met un like, fait un commentaire, les temps pialent toujours. Moi ici, quand j'ai l'occasion, moi allez me faire pareil. Eh, il t'a dit, les poussi, tu fais comme ça. Moi allez me faire comme ça, moi, des hein, voilà. Alors, nous les temps, il peut finir, chers frères. Comme ça même, pour nous terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous dans tout l'aspect pour dissocier nous. Quand nous connaissons les kafir, fin qualité, nous ne faisons pas comme nous faisons l'autre. Qu'il soit à travers, les temps nous guettent, nous bannent l'habillement, les temps nous guettent. Nous physiquement même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parfaitement man kafir, nous nous tiens nos moustaches, nous gardons nous la bob, ben nous nous tiens la bob, nous gardons nos moustaches, parfaitement man kafir, même le côté akida, et donc nous guettons man kafir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parfaitement man juif, man chrétien, je te fin prend tome de ce ban prophète, je te fin faire un ban lieu de culte, alors parfaitement mon tome, parfaitement mon kabar vin comme ça. Parfait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parfait, dit tout, tout ce qui m'en a fait, parfait pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans ban ibadet, les temps d'y rentrer, nous fait tendre là, comme si t'en concernant Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans Medina, et dans les temps, ban juif fait garde rosa. Il dit, ben nous, nous plions un droit l'homme ou ça qui jote. Qui lui dit seulement nous garde rosa les 10? Non, nous vous garde les 9 si lui là l'année prochaine. Qui fait? Faire moukha à la fois. Veut dire faire les contraires, pour qu'il n'y ait aucune ressemblance entre un musulman et un non-musulman. Nous pas pareil comme un autre, dans aucune façon. La koum dinou koum, wali yadin. Fais-nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous profiter avec ça quelques petits rappels là, que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous prendre conscience de nous l'étant. En te donnant un musulman dans Maurice, nous pas perdre nous l'étant devant quelque chose inutile. Et nous réformons nous-mêmes, nous faisons nos efforts, nous réformons nos familles, et Inch'Allah nous réformons nos sociétés, Maurice. Wa akhi da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khair. Salat wa salam ala rasulillah. Et nous de l'occasion, mon frère qui est présent, c'est qu'il y a envie d'ajouter quelque chose. Nous avons, mon frère, il y a beaucoup de gens là, il y a envie d'ajouter quelque chose, nous écoutons Dieu, nous sommes capables de bénéficier avec Dieu. Nous avons un petit présent là, capable de bénéficier avec lui. Ou bien, frère Wassim qui lui aussi, alhamdulillah. Frère Suleiman. Nous écoutons Dieu, mon frère. Les autres occasions, l'occasion pour causer, pas une seule causer, de s'écouter, non. Il y a beaucoup de gens là. Sous-titrage